Depuis plusieurs années, les événements atroces ne cessent de se multiplier. Vous vous demandez pourquoi de telles choses arrivent ? Nous avons retrouvé celui qui écrit la vie. Didier a un métier peu banal. Il scénarise tous les événements de la vie. Les naissances, les rencontres, les événements du quotidien. Tout ce qui nous est arrivé est né de son imagination et de sa plume. Et une nouvelle guerre mondiale. Avec les Russes. Voilà. C'est bien, c'est les Russes. Et là, il croit que le métro arrive dans 2 minutes. Et ben non, une grève. Juste après le Covid, la grève. Et le lendemain, une autre grève. Et voilà. Ça me fait moins chier. L'Australie, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas fait chier. Hop, Australie. Incendie. Non, un tsunami. Tsunami. Et voilà. Ah, oh, gueule. Mais pour accomplir une tâche d'une telle ampleur, Didier n'est pas tout seul. Il a heureusement une équipe avec lui. La guerre est finie, tout le monde est heureux et en bonne santé. C'est le début d'une nouvelle ère faite de bonheur, de partage et de paix. C'est qui ça ? C'est moi. C'est de la merde. C'est de la merde. Quoi d'autre ? Un remède a été découvert pour guérir le sida. À la rigueur, mais après ils donnent le cancer aux gens. Quoi d'autre ? Un nouvel album Daft Punk. Oh chier Daft Punk, non, les gens les aiment trop, ça me saoule. Ou alors, remettez-les ensemble et puis reséparez-les, comme ça c'est bon. Alors du coup, on pourrait arrêter avec le Covid. Et pourquoi on arrêterait que le Covid ? C'est notre hit, le Covid. Les gens adorent le Covid. On a encore 4 saisons à produire du Covid. Donc nous, on continue le Covid. C'est génial, le Covid. Et on fait 2 nouveaux variants. Et si on faisait une bonne nouvelle ? Une bonne nouvelle ? Ça fait longtemps, non ? Dégage ! Vous savez, il n'a pas toujours été comme ça. Hein. La victoire des Bleus en 2018. Pokémon Go. Le retour du Burger Quiz, c'était ses idées. Hein. C'était un grand monsieur. Hein. C'est sûr que maintenant, il ressemble à un clochard. Il picole dès 8h du mat. Il n'a pas pris de douche depuis 6 mois, il enchaîne les siestes. Je crois que ça va pas bien. Je crois que ça va pas bien. Non mais je comprends qu'il faut plus de mauvaises nouvelles, mais nous on fait vraiment ce qu'on peut là. On est vraiment à un moment, les gens saturent. D'accord, d'accord, d'accord. Au revoir, oui. C'était le boss. Et toujours plus, toujours plus. Moi j'ai rien contre, hein. J'aime bien les mauvaises nouvelles, mais là, ça fait à un moment, ça fait beaucoup aussi. Hein. En même temps, c'est vrai qu'il a raison. Les bonnes nouvelles, on a essayé, ça fait chier tout le monde. Hein, les gens s'habituent trop vite et puis ils oublient, ils s'en foutent. Enfin bon, le Burger Quiz, c'était bien quand même. Enfin, de temps en temps, ça fait plaisir. Les gars, vous allez être contents, je sais que ça fait longtemps que vous attendez ça. J'ai enfin une bonne nouvelle. Enfin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plein d'idées et que ça va chier. Alors, déjà, les Américains, vous me les foutez avec les Chinois contre les Russes et pas. Il y a tout qui pète. L'essence, ça coûte un rein. Les reins, ça coûte un bras. Les bras, ça coûte 15 balles. Toutes les pizzas, soit l'ananas. Quand j'adore, on en fout partout. À la météo, sur Canal, dans le MCU. Disney rachète l'Europe, puis rachète le monde. Puis après Disney, c'est le monde. Et Jeff Bezos a des cheveux. Et Didier Deschamps a des dents de merde. Ça, c'est bien, ça. Note-le, je viens de l'avoir, c'est bien. Et bon, vivement 2023, tiens.